Et bonjour à toutes et à tous, ici Pixel Pixel sur My Brother Rabbit. C'est un petit jeu d'énigmes et d'aventures qui se déroule apparemment dans un monde qui va mêler à la fois la réalité et l'imagination enfantine. Ça a l'air très mignon, très sympathique, on me l'a offert sur Steam, il coûte 15€, vous trouverez le lien dans la description si ça vous intéresse d'y jouer. Moi ça sera donc un Let's Discover, ça veut dire que je n'y jouerai qu'une seule fois pour le tester, sauf si vraiment vous adorez le jeu et auquel cas je continuerai. Mais voilà, c'est le concept de Let's Discover, on teste le jeu pour voir... On va voir ce qu'il en est. Donc c'est parti. Nouvelle partie. Ah, petite cinématique. Oh non. Ah bah voilà. Là je reconnais, ce sont les images du jeu, donc effectivement. C'est dans ce monde-là que ça se déroule, et c'est vrai que c'est très très joli à voir. Oh non. Ça a l'air très chargé, très fourni en détails, etc. Donc je suis très curieux de voir ce qu'il en est. Ah, une petite boule qui tombe. La petite souris, donc là ça veut dire que c'est encore une cinématique, c'est pas mal. Oh non! Ok, ok. Alors je clique sur moi. Ok. Blanc. Je baisse le truc. Quoi? J'ai pas trop compris. Ouais. Ah. Ah non, voilà. Donc quoi? J'ai pas trop compris. Ça y est, ça commence. C'est censé être un jeu pour enfants. Attends, voyons. Le truc... Ah, le levier, j'avais pas vu le levier, bien sûr. Quelle est donc cette machine? Alors, qu'est-ce que je peux faire? Là, il y a l'œil. Ok, on est lancé comme ça tout de suite dans le jeu. Ah! Merci. Ah, je peux prendre ça et le jeter ici. Oh là là, mon dieu, mais d'accord, mais... mais comment est-ce qu'on se comprend ce qui va se passer? C'est trop drôle. Alors, ah, tu veux ça, d'accord. Je te le mets dedans. Ok, analyse, il touche, il regarde, il sent. Ah, il veut un autre comme ça. Ah, alors attendez. Est-ce que je vois bien les trucs? Non. Non. C'est joli comme tout. Ah, ça doit être là-dedans. Non. 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 Ah, le petit ballon. Non. Ça doit être là-dedans. Oui! C'est une rouge, bien sûr. Ah, c'est un petit peu un jeu aussi d'objets cachés et tout. C'est très mignon, j'aime bien. Ah! Ça y est, ça a été dissous. Ok. Machin plus machin égale ça. D'accord. Égale tristesse. Donc il faut que je jette de l'eau rouge dessus pour l'enlever, d'accord. J'aime bien la petite machine qui m'envoie des... Alors, donc elle est là. Donc il faut qu'elle parte du village. Ah non, d'accord. Elle est au village et puis il faut qu'elle trouve ça là, le truc à champignons. Pas tout sûr d'avoir compris, hein. D'accord, très bien. Moi, je vais aller prendre mes chaussures parce que je peux pas partir sans chaussures. Ah, c'est moi là. Non, non, c'est pas moi. C'est la petite manette. Ah non, ne tombe pas. J'ai perdu ma clé. C'est quoi ça? C'est un petit groin qui sert de robinet. C'est trop drôle. Oui. Ah, il manque les barreaux. Les choses dont tu as besoin lorsque l'icône est bleue, c'est qu'il y a un fragment à objet ici. Le nombre de fragments dont tu as besoin. Ok. Clique pour continuer. Où tu dois utiliser un objet entier. D'accord. Ah, donc voilà, 4. Bon, déjà, on va récupérer la petite clé. Je vais la mettre dans mon inventaire. Non, ici. Merci. Ah! Alors, il me faut des barres de bois. Voyons voir. Ça m'a l'air
Sympa, ça sert comme une barre de bois. Ça me sert comme une barre de bois. On va tout enlever. Ça me sert comme... Ah, lorsque l'icône est grise, c'est qu'il n'y a pas de fragment à objet ici. Ah, comment ça? Ah, quand je clique comme ça, d'accord, dans les environs. Voyons voir. Alors, j'ai des fils. Il faut des ficelles. Ça m'a l'air très compliqué, hein, ce petit jeu. Hein. Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? Ouais. Je vois pas très bien là-bas. Ah, un rasoir pour couper ça. Parfait. Ah oui, pour couper la ficelle. C'est parfait. Pour couper ça, c'est parfait. Je veux le ballon. Tiens, je peux pas me servir du ballon? Ah. J'ai eu les trois fragments, donc il me faut une ficelle de plus. Qu'est-ce qui peut être droit et que je peux mettre là-bas? Bon, je crois qu'ils n'arrêtent pas de me dire de venir là, non? Non, je peux pas prendre ça. Un petit... Ah. Super, c'est rempli d'eau. Ah, j'ai pas pensé à ouvrir ici. Ah, mon petit verre d'eau. Je vais le remplir d'eau. Voilà, très bien. Je ne sais pas pourquoi, mais vas-y, bois un petit coup, mon petit gars. Non, il a pas envie. C'est marrant comme tout, mais alors franchement, je suis un peu perdu. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ah! J'avais oublié ça, donc il me manque une ficelle. Alors, qu'est-ce que c'est quoi? D'accord. Ok, très bien. Pardon. Continuez, on revient en arrière. Ah, une ficelle! Voilà, super, j'ai la ficelle qui manque. Forcément c'est le lacet. Donc on va utiliser ça ici. Ah, ça se fait tout seul, d'accord. Ok. Ah non, d'accord. Ok. Voilà. Et voilà, parfait. Je crois que j'ai tout compris. Ah non, d'accord, il faut que je puisse emmener le verre là-bas. Ah, alors attendez. Comment on fait pour remettre à zéro? Ah non, mais je voulais pas voir la solution. Pardon, j'ai pas regardé du coup. Je n'ai pas regardé. On va faire à zéro. Voilà. Voilà. On va essayer de faire ça. À zéro. Très bien. Donc, de toute façon, le jaune, il faut qu'il passe par là. Donc, voilà. Le violet, si on le fait passer par en haut, là, il va manquer des trucs. Alors, je réfléchis... Non, si je fais ça, le jaune, il est bloqué. Donc, le vert, il est obligé de passer par là. Et le jaune, il est obligé de passer par là. Ce qui fait que le violet est obligé de passer par là. Le rouge est obligé de passer par là. Et le bleu est obligé de passer par là. Voilà, super. Bah, du coup, il y en a un qu'on regarde. Et ensuite, sachant que ça va bloquer un autre, c'est simple à faire, en fait. Trop cool. Ah, bah, on va prendre l'ascenseur. Ah non, alors, attendez, on va brancher ça sur la prise de courant. C'est trop drôle. Et si je le branche sur l'autre prise de courant? Lumière bleue, ok. J'ai pas remarqué s'il y en avait des choses différentes. Oh, c'est une sorte de truc. Et alors attendez, lumière rose. Attendez, dans le noir il y a ça là, c'est quoi? Regardez, là, il y a un truc juste ici. Ah, c'est des escargots, d'accord. D'accord. Petite, alors. Ah bah super, on va faire un bout de bois. Allez. Vas-y, et on appuie. Ouais, voilà la petite planche qu'il me fallait. Parfait. Et il m'en manque un. Là-dedans, il y a quoi? Un autre ballon. D'accord. Très bien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon petit ballon? Non, tu fais rien. Pom, pom. Alors, on va ouvrir ça. Ah, une petite glace. Hein, pour l'instant, ça ne sert à rien. Et si je mange ça là pour voir. Ah regardez, ils ont une couleur différente, ça y est, je viens de remarquer. Hop, si je fais ça. Donc lui il a une sorte de prise de courant électrique. Un truc dessiné, lui on le voit pas bien. Et lui il a ça, mais si on fait ça. Ah mais oui, c'est carrément un autre environnement, d'accord. Mais mon dieu, mais je suis affreux moi, j'avais même pas remarqué. Allez on ouvre. Un petit papillon, ok. Où est-ce que je peux trouver une petite planche? Là, bah c'est ça, ça va me servir de bâton, bien sûr, suis-je bête? Oh, c'est trop mignon. Alors, comment on fait pour partir à l'envers? Oh, il faut enlever ça. Et on repart comme ça. Il y avait la petite flèche en bas. Parfait, du coup, je peux monter. Ah, non, il faut que je fasse ça. Ah, parfait. Ah, c'est marrant. C'est très marrant, j'aime bien, c'est mignon comme tout. Mais par contre, il y a tellement de trucs, comment savoir ce qui nous sert et tout. Oh là là, mon dieu, un nouvel écran. Trop mignon.
Réveille-toi! Nous devons aller ensemble au village. Ah d'accord, et donc il faudrait que ça soit une petite montgolfière avec des ballons. Ah bah ça tombe bien. Je sais où j'ai trouvé deux ballons. Ah d'accord, ça rigole pas, il en faut 9. Ok, parfait. Donc moi je retourne là. Donc un ballon. Ensuite, j'en ai un deuxième ici. Salut toi, qu'est-ce que tu fais, tu es trop bizarre. D'accord, donc il faut revenir dans les environnements. Parfait, un deuxième ballon ici. Regardez, vous voyez la petite flèche qui revient en arrière, c'est très intelligent. Alors, où est-ce qu'il y aurait des ballons ici, par exemple? Non, non. Un petit cerf-volant, ça peut servir de ballon, peut-être, non? Bon, on va sortir, on va essayer de voir ça, déjà. Ah, bah, il y en a un là, bien sûr. Ah, lui, il veut pas. Ah, un distributeur à glace. Il me semble que j'avais vu un distributeur à glace quelque part. Ah, mon Dieu, mais c'est immense! Allez, ok. Ah, là, il faut que je trouve un moyen de mettre un poids ici pour faire soulever le ballon. Bah, il y en a un qui est caché là. Il y en a un qui est caché là. Il y en a... Ah, là ils veulent des glaces pour qu'on y aille. Alors, je sais où j'ai vu une glace. Alors, j'ai vu une glace dans le frigo. Un cornet de glace. J'ai vu une glace dans le frigo. Et j'ai vu une glace. Il n'y a pas de glace ici. D'accord, donc je vais trouver une autre glace. Ah, c'est très mignon. Franchement, j'aime bien. Je trouve ça vraiment très sympa. Au départ, j'étais un peu circonspect en mode, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, c'est intelligent, c'est mignon. Ah, d'accord, là, il veut des papillons. Donc, j'en avais vu plein, des papillons. Ah, pardon, c'est là qu'il faut cliquer. Bon, j'en ai vu dans la maison du bas, mais je me souviens en avoir vu ici. Donc, le panier, on va l'accrocher là. Et dans le panier, on va mettre quelque chose de lourd. Ça, ça compte comme papillon. Ah, bah à un moment donné, voilà, j'en ai vu un autre en bas. Ah, il y en a un là. Ah, qu'est-ce qu'il fait, lui? Ah, il se sert de thermomètre. Ah, pour faire fondre la glace. D'accord. Ah, c'est trop mignon. Alors, un truc lourd que je pourrais mettre là-dedans. Ah, une pièce de monnaie, j'en ai besoin. Ah, papillon, là, bien sûr. Ah, ok, donc il me faut les papillons. Ah, du coup, il faut tout ça pour éclabousser cette horreur, parce que ça fait de... en rouge. Tout compris. Tout compris. Eh ben, je continue de chercher un petit peu. Et puis... Ah, mon Dieu, les racines qui viennent chez moi. J'ai peut-être besoin de ça. Oui, ça, j'avais compris. Donne-moi la chaussure. Non, tu veux pas. Ah, un papillon, là. Ça y est, je me souvenais bien. Hop, on va brancher la lumière ici. Je sais pas ce que c'est, ça. Ça va servir pour plus tard. Il n'y a pas un objet assez... Ah, voyez, c'est le truc dont je parlais. Ok, on va descendre. On va revenir ici. Ah, ma petite plantounette. Ah, d'accord, elle veut des ballons pour s'envoler. Alors, allons voir. Là-bas, je pense qu'il y a un... Là, il y a l'écureuil. L'écureuil, pardon. L'escargot. Ah, le vent qui souffle. Vous croyez que je peux aller là-bas? Ah, le vent qui tourne. Ah, le marteau, c'est lourd, je le mets dedans. Non? Ah, comment... Comment quoi? Qu'est-ce que je peux faire avec ce marteau? Ça sert forcément là-dedans, non? Dans cet écran? Et si je fais... Ah non, d'accord, je peux pas le lâcher. Et là-bas, la petite poire, trop mignonne. Donc, il me faut des glaces. Bon, alors, attendez. Cherchons une glace qui me manque. Oui, bah, j'ai compris que c'était ça qu'il fallait que je fasse, non? Non, même pas. Bon, et bah, écoutez, je continue de chercher. Et puis, si j'ai du nouveau, je remettrai la vidéo. Parce que là, je vais faire une petite coupe au montage, quand même. À tout de suite. Bon, alors, je pense que j'ai compris le truc. Il me faut cette pièce pour la mettre là-dedans. Comme ça, ça va me donner une glace, ok? Sauf que je ne sais pas comment récupérer cette pièce-là. Il me faut... Je pense que du coup, pour avoir cette pièce, il faut les ballons pour tout débloquer. Mais ça me paraît quand même étrange. Parce que du coup, là, il me manque quand même plein de ballons, là. Et là, je comprends pas parce que là, du coup, ça ne veut pas aller là-dedans. Donc ça, c'est très bizarre. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Je continue d'explorer... Bon. Ah, mon Dieu. D'accord. Donc là, il y a ça. Là, je me suis dit qu'il fallait peut-être faire ça. Parce que j'ai vu qu'il y a... Oh, c'est quoi? Une petite chenille. Trop mignonne. Ah, bah, la chenille sur la feuille. Bah, voilà. Il me manque deux ballons, hein, quand même. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Ah, bah, si, il y en a un là. Je suis bête. Alors, qu'est-ce que c'est que ça?
Ok. Donc il veut 3 boutons pour aller dans la maison du truc. D'accord. Oh, j'avais pas vu. D'accord. Très bien. On fait ça et ça et ça. Donc parfait. Donc là, il me manque un ballon. Et alors, un ballon, et ça sera bon quand même. Très très bien. Où est-ce que j'ai pu louper cette histoire de ballon? Là, il y a une petite... avec sa... son ampoule. J'ai pas loupé un ballon dans les parages ici, on est d'accord, non? Je regarde un petit peu. Donc là, je pense que moi, il me faut la pièce, ici, pour débloquer. Ah, mais le ballon, il est là! D'accord, mon dieu! Je l'avais pas vu. Du coup, je peux aller là. Ah! Oui, ah, la pièce est tombée, c'est bien ce que je pensais. Parfait, donc là, c'est accroché. On va devoir faire ça. La petite glace qui se tombe. Parfait, du coup, je crois que ça se fait dans l'ordre. Les boutons, ah oui j'ai pas pensé. Bah là c'est un bouton rouge, on est d'accord. Non on n'est pas d'accord. Alors avant de partir dans la zone là-bas, je vais quand même aller voir s'il n'y a pas des trucs rouges ici. Non, il n'y a rien apparemment. Je vérifie, on ne sait jamais hein. Alors, non là, non il n'y a pas de bouton rouge. Non il n'y a pas, ça je sais toujours pas à quoi ça sert. Mais en tout cas je me souviens qu'il y en a ici. Ah non, ça veut dire qu'il n'y a pas... C'est rose, c'est rouge, c'est ça que j'ai compris. Il n'y a plus de trucs rouges ici. C'est ça que ça veut dire. Ah mon dieu, mais c'est vrai, c'est ça que j'avais pas compris tout à l'heure. Donc là, il n'y a pas de trucs rouges, il n'y a pas de papillons ici. Est-ce qu'il reste des papillons ici? Non, il ne reste pas de papillons. Donc là, on va cliquer là, on va faire fondre la glace. Bah quoi? Bah quoi? Ah, comme ça. On va faire baisser la température. Oh, le petit cafard, il est triste. Ah, ok. Succès déverrouillé, fièvre aux arrêts. Ah, trop cool. Donc là, il y a des papillons, c'est ça que ça veut dire. Là, il y en a un là. Par contre, il n'y a pas de bouton rouge. Ah, mon dieu. Mais moi, quand je comprends les choses, après, ça va beaucoup mieux. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, du coup... Ah, il me faut des fleurs. Ah, il y a un papillon là. Là, il y a une fleur. Ah, il faudrait que je puisse l'ouvrir. Ah, c'est trop drôle. C'est trop, trop, trop pitchoun. Alors, attendez. Là, il reste encore des fleurs, ici. On voit la poire et tout. Alors, attendez, je vais voir s'il y a des fleurs ici. Donc, oui, normalement, il y a des fleurs. Ah bah oui, il y en a une ici. Il n'y en a plus. Est-ce qu'il y a une fleur? Ah bah oui, il y a une fleur que j'avais fait dans ma chambre, dans ma maison. Là, il y a une fleur. Est-ce qu'il en reste? Oui, il en reste. Ah, c'est quand même très, très intelligent. Franchement, vraiment, bravo les créateurs du jeu. Ah voilà, il n'y en a plus. On est d'accord. Très bien, donc là, elle est là, celle que je voulais. Donc ça devient gris. Est-ce qu'il y en a là? Non, il n'y en a pas. Si je passe comme ça, il n'y en a pas. Parfait. Ah, là, il y a un bouton rouge. Ah bah oui. Oh, c'est trop drôle. Ah, franchement, c'est beaucoup plus facile quand on a compris. Hein. Je suis un peu bébête, hein, des fois. Donc ça va, ça va. Et ça va aller beaucoup plus vite parce que du coup, on est en mode... Bah ça y est, on est en mode, on se dit, ok, il y a un indice, on le cherche. Et bah franchement, je félicite les créateurs du jeu, c'est très intelligent. C'est ça reste, donc là, il y a la fleur qui me manque. C'est enfantin, mais ça, c'est un énorme papillon, ça. Je peux pas cliquer sur le gros papillon. Alors, regardons. Donc je disais, je félicite les créateurs du jeu, parce que c'est vraiment très, très, très intelligent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah. Ah. Très bien. Donc là, il me faut les pièces du morceau. Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. La petite flèche pour repartir en arrière. Ah, non, pardon, zut. Alors, on réfléchit. Donc là, il y a des morceaux de puzzle. Ici, il n'y en a plus. Alors ici, il y en a un là. Ça, je me souviens. Il y en a un autre là. Voilà, il n'y en a plus. On va chercher ici. Il y en a un. Ici. Il y en a un deuxième. Ici. Et on va descendre, il y en a certainement un dans ma chambre. Non. Est-ce qu'il y en a un ici? Non. Est-ce qu'il y en a un ici? Oui, il est là. Parfait. Ah, c'est trop cool. Moi, j'aime bien. C'est marrant, ça se joue bien. Franchement, même si j'ai plus de 30 ans, moi, je trouve ça très plaisant. Ça détend. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Et du coup, on va faire ça. Ok. Ah, ça se fait tout seul. Donc, non, ça ne se fait pas tout seul. Alors... Ah non, ça se met là. Ok, ça va, c'est facile. D'accord. Donc là, s'il y a une paille ici, c'est que la bouche doit être ici. Au moins, ici.
Ensuite, en bas, il doit y avoir ça. Non, non. Oui. Ensuite, ça va là, je pense. Ça va là. Et ça va là. Et ça va là. Et ça va là. Et ça va là. Voilà. Là. Pas du tout. Ah non, ça va là. Bien sûr. Et ça va ici. Et voilà. Magnifique. C'est joli. Franchement, les graphismes sont géniaux aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Parfait. La petite fleur qui me manquait. Ah, de l'eau qui coule et le robinet. Oh, du coup voilà, ça rentre et c'est le truc qui va faire de la lumière. Ah, c'est trop drôle. Allez, la petite fleur qui me manque. On va faire ça. On va mettre les petites fleurs dans la ruche. Hop là. Et elles vont me faire quoi? Du miel. On va le remplir là-dedans. Et il y a un petit pot qui va sortir ou un papillon. Ah, parfait. Est-ce que j'ai loupé des papillons dans les parages? Ah, le pauvre. Oh, bonjour toi. Ah. Bon, vas-y, reste debout. Est-ce que j'ai loupé des papillons? Non, c'est pas trop caché, je pense. Ah. Alors, un papillon. Un deuxième papillon. Ah, ça y est. Du coup, il me faut ces petites ampoules. Alors, là, il y en a. On va ouvrir. Voilà. Alors, regardez. Là, il y a un bouton rouge. Il est là. Ah, il faut que je l'enlève. Comment je fais? Ah. Ah, d'accord, c'est ça. J'ai tout compris. Donc, là, il n'y en a plus. Alors, regardez. On va chercher. Du coup, j'en ai vu une ici. Il n'y en a plus. On y va. On fait ça vite. Là, je me souviens qu'il y en avait une ici. Une ici. Et normalement, c'est bon. Ici, il y en avait. Où est-ce qu'elle est déjà? Là. Normalement, c'est bon. En bas. Il y en avait une quelque part par là-bas, je crois. C'était. Non, il n'y en a pas ici. Il faut que je change ça. Voilà. Elle est là. Ah. Bah, du coup, il m'en manque. Là. Attendez, je vérifie. Non, on est d'accord. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas ici. Il n'y en a plus ici. Il n'y en a plus ici. Ah oui, mais il me faut le bouchon pour aller là-bas. Là, il n'y en a plus. Et là, il n'y en a plus. Mais là, il y a un bouchon. Mais du coup, il faut que je remplisse ça. Mais comment je vais faire? C'est quoi ça? Ah, ben ça, je vais en avoir besoin encore. Oh là là. Bon, bah écoutez, je vais faire une petite coupe au montage parce que. Ah, salut toi. Parce que ça risque d'être un peu long au montage, à force. Ah, peut-être que je peux changer. Ça, je le veux. Je pense que si je trouve. Mais non, je comprends pas parce que du coup, il me faut toutes les petites comme ça. Comment je fais? Ah, j'ai peut-être loupé un endroit à aller récupérer ça. Bon, de toute façon, je fais une petite coupe montage et puis dès que j'ai trouvé, je reviens vers vous. À tout de suite. Ah oui, c'est ça, j'avais pas vu. Du coup, si j'appuie. Ah, une étoile qui sort, c'est pas ça. On va le changer de place. Ah, le papillon. Parfait. Donc là, il n'y a plus de papillon. Et du coup, j'avoue, je sais pas trop quoi faire. On va essayer de voir. Donc ça, c'était ça. Oh, le petit bruit, sympa, hein. Hop, on continue. Ok, la balle de tennis, pas besoin. Non. Ah, succès déverrouillé, amélioré. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, là pour l'instant, je sais. Ah, j'avais pas cliqué. Oh, d'accord. Ah, il y a une petite truc à trouver ici. Ah, coucou. Ah, bah voilà. Parfait. Du coup, ça vient là. Je. Ah, oh, le petit nez qui sort et qui sniffe. C'est très poétique, j'aime bien. J'aime bien. Voyons voir. Oh, mon frère le lapin qui arrose la petite plante. D'accord. Oh, il prend la petite paille. Il apporte les petits ballons. Ok, très bien. Donc là, c'est tout bon. Ça servait à quoi déjà, ça? J'ai oublié. Il y a encore un papillon ici que je n'aurais pas vu. Mais alors ça, attendez. Là. Et du coup, il me manque un papillon. Ah, à quoi ça servait déjà le bouchon? Ah oui, ça servait à ça. Bien sûr, suis-je bête. Et du coup, il y avoir un papillon dedans. On est d'accord. Parfait. Open. Oui. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en train d'envahir, j'avais pas vu. Oh,
Ah, les vilains. Ben là, j'avoue que je ne sais pas. Je voudrais rentrer dans cette maison. De toute façon, il me manque plus que les papillons et je pense que j'ai fini cette session. Comme ça, je mets les papillons, ça se soulève. Comment? Ah, regardez. Voilà, c'est là. Ok, moi j'y vais. Du coup, c'est bien ça. Bon, j'espère que c'est la fin tout de suite. Voilà. Enfin, je dis pas que c'est long, c'est juste que du coup, j'ai peur que ma vidéo soit un peu longue. Après, moi, j'aime beaucoup, hein. On va aller voir. Ok. Alors, quel est ce schéma? Il me dit que je dois appuyer sur... Ah, non, d'accord. Ah, oui, d'accord. Ah. Ah, d'accord. Donc ça, il faut le mettre là-haut. Ah, voilà, c'est ça, il faut le mettre là-haut. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? La boule. Ah non, il faut la mettre ici. Très bien. Je vois pas trop, en fait, ce qu'il manque. Ah, ça se met là. Ah, ça fait de la musique. Ton, ton, ton. Alors ça, l'hélice, ça se met ici. Ensuite, ça, l'alambic, ça se met ici. Alors je vois pas bien en fait. Qu'est-ce qui me manque? Ah ça se met là. On est... Non, ça se met là. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque les petites plantes un peu bizarres là-haut. Comment je les fais pour les trouver? Ah c'est ça. Ça se met là-bas. Ça tourne. Et là, il manque juste le tuyau ici que je vais prendre ici. Ah non. C'est le tuyau ici. Ah, il me manque les yeux là. Ça, c'est quoi ça? Voilà, ça se met là. Non, sur ça. Ah, c'est drôle ça, c'est marrant. Alors ça se met là. Alors attendez, qu'est-ce qui me manque? Il me manque le tuyau que je vais prendre je ne sais pas où. Ah! Là, pour fermer. Ah, ce tuyau, non. Il manque les petits trucs comme ça. Ah, c'est marrant parce que du coup, je vois pas où je dois cliquer, c'est drôle. Ah, si, ça. Et le petit tuyau qui manque, qui... Ah! Il est là. Ah, j'avais même pas vu que les trucs, ils s'en allaient au fur et à mesure. Ah, il est là. Voilà. Ah, c'est drôle. Waouh, j'ai mon petit papillon. Succès déverrouillé. Séparateur de couleurs. Allez, on retourne vite. C'est marrant. Franchement, c'est très drôle. Allez, on va vite mettre les papillons ici. Oh, regardez les papillons qui viennent. D'accord. On met ça là. Du coup, ils vont s'envoler. Voilà, parfait. Et il y a encore plein de trucs qui... Je sais pas à quoi ça sert. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Ah, bah voilà, c'est ça. Ok, parfait. Alors, du coup, là, il y en a un là. Je le vois clairement. Du coup, voilà, c'est les fameuses pièces dont je vous parlais. Il y en a une là. Donc, normalement, il n'y en a plus. Alors, ici. Ici, il n'y en avait pas. C'était dans celui-là qu'il y en avait un qui est là-dedans. Voilà. On va chercher là-haut. Il n'y en a plus ici. Oui, ça, je les avais remarqués. J'avais appelé ça des porte-clés. Mais du coup, est-ce qu'il y en a un là-dedans? Non, il n'y en a pas. Là, est-ce qu'il y en a? Oui, là, il y en avait un, je me souviens. Non, il n'y en avait pas, je me souviens pas bien. Ah, là, il y en a un. Ah oui, il était là. Et il y avait ça là-bas. Ok, il y en a un. Il est là, parfait. Bon, c'était rapide, c'est plutôt cool. Allez, on y va. On y va. Bon, c'est que le premier tableau du jeu, en fait. C'est ça qui est super cool, en fait. Et là, il va falloir faire un petit train pour séparer les couleurs. Et moi, bien sûr, je veux le rouge. Et comme ça, on va pouvoir enfin s'en aller. Alors, comment on va faire ça? Le rouge vers le rouge. Donc... Mon Dieu, d'accord. Là, ça va comme ça. Voilà. Là, le rouge, il va bien vers le rouge. On est d'accord. Rouge. Alors, comment je fais pour que le jaune, il aille vers le jaune? Le jaune, il va bien vers le jaune. Le orange. Ah ouais, mais du coup, si je fais ça, le problème, c'est que je vais devoir tout mélanger, en fait. Ah, est-ce que je peux les changer de place? Non, je ne peux pas. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de simple? Le bleu. Alors, le bleu. On va faire le blanc en premier. Le bleu, il fait ça. Non, il va pas descendre par en bas, sinon c'est trop compliqué. Le bleu, il va remonter là. Et il va là-bas. Donc ça, c'est bien. Ensuite, le rose, il va au rose. Donc pour l'instant ça va. Le orange, il va orange. Donc ça va. Du coup, il manque ça là. Le vert, il va au vert. Donc ça va. Et là, il manque juste ici. Voilà, parfait.
Trop cool. Et on va pouvoir ouvrir le robinet d'eau rouge. Saleté de monstre violet. Oh, succès déverrouillé vers l'infini et au-delà. Bon, et bah écoutez, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce jeu vous a plu. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et liker la vidéo, bien sûr. Et si vraiment ce jeu a énormément de succès, bah je continuerai. Mais bon, pour l'instant, c'était qu'un Let's Discover, donc c'est le principe. Voilà, et ben, je vous dis donc une fois de plus merci. Et puis, merci pour votre soutien, etc. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et à très bientôt. Peace out.